Breton, ça fait combien de temps que t'as la maison? J'ai pas fait ça, je suis là depuis 2 mois. Ça fait 4 jours. Il fait un froid de dingue. J'ai hâte de rentrer. Franchement, il fait super froid dehors. Bon, j'ai une petite question pour ma communauté. Alors, comment vous, les mamans, vous avez initié, même les papas, vous avez initié votre enfant au pot? Parce que nous, Milo, le pot, c'est un nom catégorique. Je sais pas pourquoi. Et du coup, là, on essaye de trouver des solutions. Mais si vous avez une solution à m'apporter, on m'a parlé de gommettes, de petits trucs. Voilà, n'hésitez pas à me dire, ça peut nous aider. Parce qu'en septembre prochain, Milo, il rentre à l'école. Et la règle, c'est que Milo soit propre. Donc il a encore 11 mois, ça va, mais il va falloir y aller. Hein. Alright, are you ready? Are you ready? Les moins 20, on dit qu'on ne peut plus dans 5 minutes. Ouais. T'entends-tu? Les amis, récemment je vous ai parlé de mes petites chaussures Clarossa que j'aimais beaucoup. Et là il y a mes chaussons. Alors ça, c'est vraiment les chaussons que j'utilise tout le temps à la maison. Ils sont hyper confortables. Regardez, ça donne trop envie de mettre son pied dedans. Franchement, je les aime trop. Elles sont super. Et ces bottes-là, je vais grave les utiliser pour tout simplement pour Londres, la France. On part dans quelques jours. Bon les amis, j'espère que ça va aujourd'hui, que la semaine démarre bien. Alors je vais vous parler de mes chaussures préférées, des chaussures Clarossa. Petite pépite, je vous montre. Ça c'est Milo, et là on va faire petite paire. Allez, dessine maman. Donc voilà, vous avez moins 30% avec le code promo Hilary30. C'est valable sur tout le site Clarossa. Sachez qu'il existe aussi le Clarossa Kids. Et également, ils ont sorti une application. Je vous mets ça juste après. Mais franchement, c'est top. Clarossa, c'est top. Vous avez vraiment des remises de fou. Enfin, profitez-en. Moins 30% avec le code promo Hilary30. Bon, les amis, on a un petit rendez-vous avec Mathéo. On a un petit rendez-vous avec Mathéo. Il fait 87 kilos, c'est pas normal. Chez le médecin, tu viens de manger. Ouais, c'est vrai. Et là, voilà. En fait, Mathéo, il a un petit souci au niveau de son oreille. Allez, on y va. Et du coup, on va contrôler chez l'oreille qu'est-ce qui se passe. Bon, les amis, je vous explique le verdict. C'est que du coup, il a une oreille qui coule depuis 3 jours. Donc, on a essayé d'avoir un rendez-vous il y a 3 jours, mais c'est pas possible. Bref. Du coup, c'est une otite, une belle otite, c'est une belle infection. Et du coup, ils disent qu'il a comme un petit trou au tympan. Du coup, c'est pour ça qu'il y a du liquide qui coule, qui coule, qui coule. Sauf que on devait prendre l'avion le 8. On devait prendre l'avion le 8. Donc, on avait prévu de rentrer en France et tout. Mais là, L'Oréal, elle vient de me dire... Bébé. Elle vient de nous dire que on ne pouvait pas prendre l'avion. Donc ça veut dire que notre voyage en France, il n'y a plus de voyage en France. Notre concert de Robbie Williams, il n'y a plus de concert de Robbie Williams. Londres, il n'y a plus de Londres. Voilà. Mais Joe, il a quand même un gros shooting photo en France. Donc du coup, lui, il va devoir rentrer, quoi qu'il arrive. Mais voilà, ainsi va la vie et ainsi c'est notre vie. C'est un truc de ouf. Bon, là, je suis rentrée à la maison et j'ai tellement pleuré. Parce que Mathéo va bien.
Physiquement, il est en pleine forme. C'est juste que, ben, du coup, ça annule tous les plans. On devait prendre l'avion le 8 pour aller voir nos familles. On devait aller voir le concert de Robbie Williams à Londres pendant 3 jours. Et du coup, ben, tout ça, c'est fini. Genre, tous les plans sont finis. Il n'y a plus de plans, en fait. Et du coup, ben, ça me met un coup parce que... en fait, c'est l'accumulation de toute cette année qui est juste infernale. On est dans une spirale infernale. On avait prévu ça, on était trop contents, on avait trop hâte de rentrer en France. Et je suis émotionnellement, j'ai du mal en fait. Parce que je sais que mon fils va bien, mais qu'en fait, on ne peut pas prendre l'avion. On ne peut pas, c'est interdit. Ouais, j'arrive à vous parler parce que je me suis remise de mes émotions, mais je vous jure. Quand j'y repense, je vous jure, je peux encore pleurer, c'est un truc de fou. Quand j'y repense, je me dis, mais c'est quoi cette année de fou? Les gars, c'est quoi cette année de fou? C'est un truc de fou. Non mais... Je vous jure, je peux pleurer, c'est un truc de fou. Je comprends pas. J'en parlais avec Joe, Joe me disait, mais pourtant on est des gens gentils. Je comprends pas tout ce qui nous arrive. Je vous jure, c'est un truc de fou. Après, Mathéo, il va bien. Enfin, tout va bien. C'est juste, ben, émotionnellement, on avait prévu plein de choses et du coup, on peut pas les faire parce qu'on peut plus prendre l'avion. Et c'est, du coup, ben, concert, Londres, tout ça, tout est annulé. Mais Mathéo va bien, donc c'est l'essentiel. Comme je disais, c'est l'essentiel. Mais en fait... Là, je parle même pas de questions de santé ou de physique ou de... Non, c'est émotionnellement parlant, genre j'ai un gros craquage. J'avais prévu de partir en France dans 4 jours et aujourd'hui, on m'annonce « Non, tu pars pas. Non, tu pars pas. » En fait, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que je me dis « Mais j'ai l'impression de revivre la même chose que quand Joe s'est fait renverser par une voiture. » C'est quoi ce truc de fou? Genre Joe, il s'est fait renverser par la voiture le jour où on devait prendre l'avion. Là, de nouveau, en plus, je m'étais dit dans ma tête, cette moitié de fin d'année, là, je ne prévois plus rien, puisqu'il nous arrive que des trucs de fou. Et là, je dis, vas-y, non, mais on va rentrer en France, il y a le concert, nos parents vont voir leurs petits-enfants et tout, c'est génial. Et ben non, on nous l'interdit, c'est pas possible, c'est un truc de malade. Enfin bref, du coup. Du coup, Mathéo va bien. En vrai, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que Mathéo, en vrai, il va bien. Je vous jure qu'il va bien. Et voilà, et là, il est sous antibio, machin et tout. Mais ouais, en fait, j'ai juste eu l'impression de revivre la même chose que l'accident de Joe. Ouf. Et du coup, bah, peut-être Joe va prendre l'avion avec Milo et moi je vais rester de toute façon avec Mathéo. Moi, de toute façon, j'avais prévu genre des trucs super sympas, mais finalement tout est annulé. Et du coup, bah, je vais rester à Dubaï jusqu'au décembre. Je pense que c'est ça ce qui va se passer. Et encore, on a prévu de rentrer en France en décembre. Je vous jure que j'ai envie de tout annuler. J'ai envie d'annuler. Non, mais avec la malchance, je sais pas si quelqu'un nous a mais en tout cas je sais pas, ouais, on a rendez-vous, enfin on doit aller en France aussi en décembre, parce que j'annule en France la France en décembre. Je vous jure, on est capable de nous mettre une dinguerie juste avant et pas prendre l'avion.